Salut à tous, aujourd'hui je me fais plaisir, j'essaye enfin la version 2020 de l'Africa Twin. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était la moto qui avait fait naître en moi l'envie de voir débarquer sur le marché ce que j'ai appelé à l'époque la Pampa Twin, au point même de dire aux responsables qui étaient venus en Europe pour la présentation presse qu'il faudrait vraiment, vraiment qu'ils réfléchissent à sortir un trail de 500 à 700 cm3 maximum dans l'esprit de l'Africa Twin. Et je peux aujourd'hui vous annoncer une chose extraordinaire. Ils sont en train de travailler sur tout autre chose. Je plaisante pas. Enfin, d'après ce que j'en sais, le prochain véhicule grand public qui sera capable de sortir un petit peu des sentiers battus, ce sera le nouveau XADV. Et même si j'aime beaucoup ce Scootrail, c'est pas l'idée que je me fais de la Pampa Twin encore. Voilà. Mais je ne perds pas espoir et encore moins le sourire parce qu'en attendant, Honda continue de nous proposer des Africa Twin. Et c'est déjà très très bien. Direction la ville. Bon alors comme j'arrive un peu après la bataille, puisque cette moto est déjà sur le marché depuis une bonne année, hein, facile, la question que je me pose c'est est-elle toujours aussi sympa à rouler depuis son passage de 1000 à 1100? Alors j'ai bien une petite idée sur la question, mais comme on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise avec Euro 5, bref, commençons par le début, comment je suis installé, bah bien, je vois toujours aussi loin, comme je suis super haut, et cette sensation est renforcée par ce pare-brise plus court. Alors ça fait plus peur, mais j'ai l'impression que je vais être moins protégé quand même. En revanche, la selle a été affinée, donc c'est vachement plus facile de poser pied à terre. Hein. Même si ça reste très haut, je vous l'ai dit, hein. D'autant que moi je suis resté à 870, je ne l'ai pas baissé la selle à 850 pour pas casser la ligne en fait. En revanche, je suis toujours aussi surpris par sa facilité de prise en main. Hein. Et la maniabilité en ville, franchement, avec sa route 21, c'est étonnant ce qu'elle est maniable. Hein. Et on sent qu'il y a eu du boulot sur la boîte DCT. Hein. Ça a porté ses fruits, c'est hyper efficace en ville. J'ai l'impression d'être sur un gros scoot, quoi. D'autant qu'en mode urbain, là, je suis en mode urbain, ouais. On se retrouve, en quatrième à 50. Alors le problème dans ce cas-là, c'est si on doit mettre un petit coup de gaz rapide, quoi. La boîte, ça met un petit peu de temps quand même à rétrograder. Plus en tout cas, dans ce mode-là, qu'en mode sport, par exemple. Parce que la DCT, je peux la mettre en drive ou en sport. Et il y a trois niveaux de sport. Et plus je mets du sport, quoi, plus ça rétrograde fort et plus ça garde longtemps les rapports. Par résultat, je la travaille à la gâchette, la boîte, quoi. Si vraiment j'ai envie de repartir fort, pif, pif, deux coups sur la gâchette et hop, ça repart à donf, quoi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du répondant, franchement. C'est-à-dire que pour passer à Euro 5 sans trop perdre en performance, Honda a augmenté la course des cylindres, donc du bicylindre, donc sa cylindrée qui passe de 998 à 1084 cm3, la puissance de 95 à 102 chevaux et le couple de 98 à 105 Nm. Je vous rappelle que la fiche tech est en description. Bref, la puissance max arrive plus tôt et la courbe de couple s'étire un petit peu, c'est bien, mais cette histoire de bulle courte me chiffonne, alors direction l'autoroute. Alors là, je vais vous dire que c'est une grosse surprise parce que je m'attendais sur l'autoroute à en prendre plein la quiche avec cette bulle courte. Et en fait, eh ben, pas tant que ça. C'est assez surprenant, on va peut-être pas être obligé d'acheter une bulle haute, quoi. Et bon, c'est bizarre hein, quand même. Pourquoi l'avoir fait courte? Juste pour le style, sûrement, quoi. En revanche, les jambes tombent parfaitement bien. La selle, elle est hyper moelleuse. Et que dire des suspensions? Ben alors, c'est un coussin d'air. C'est simple, j'ai l'impression d'être sur une CB500X, mais tout stéroïde, quoi. Alors ça, ça sent le voyage. Ah, ça monte clairement pas droite. Hein. Faudrait même plutôt faire gaffe à rester dans la légalité. Hein. Oh là 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 là. Bon, après, il y a tout ce qu'il faut, régulateur de vitesse et tout. En revanche, les Komodo, c'est chaud. Hein. Il y a des boutons partout là-dessus. C'est vrai que Honda a mis les petits plats dans les grands, question équipement sur cette moto, grâce notamment à l'arrivée d'une centrale inertielle 6 axes, enfin 5 plus, hein, qui permet d'avoir donc l'ABS en virage et surtout la détection de l'entrée en virage pour que le DCT réagisse plus vite en fonction de ce que vous êtes en train de faire. On va aller vérifier ça tout de suite sur une petite route glissante à souhait. Je reste sidéré par la facilité de cette moto. La prise en main est vraiment très très naturelle et puis on ressent tout ce qui se passe quoi. On a un très très bon retour d'information, notamment du train avant je trouve. Et d'ailleurs puisqu'on en parle, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais autant la route 21 pouces ça donne vachement de stabilité, autant elle empêche absolument pas la moto de tourner, c'est étonnant. Bon faut dire que les pneus sont étroits, hein. Les deux. Hein. En revanche attention à la suspension, c'est un vrai cheval à bascule cette bécane.
Ah, si tu tapes dans le frein avant, tu sais tout de suite ce que c'est que d'avoir 230 mm de débattement sur la Showa, quoi. En même temps, c'est ça un trail, les gars. Si tu veux un truc qui bouge pas, achète une trottinette électrique, hein. Tiens, en parlant de ça, clairement, la DCT a passé un cap, hein. Surtout en mode sport, c'est dingue. Il y a vraiment que dans de très rares cas qu'elle passe pas les rapports comme moi je le ferais. Et surtout, elle les passe plus en courbe comme ça arrivait parfois. Hein. Oh, le coup de chaud que tu prenais quand t'es décidé de te passer la 3 sur l'ongle en plein rond-point, je te dis pas. Ah, puis je sais pas si c'est psychologique, mais bordel, ce bicylindre, il t'arrache les bras, quoi. Et ce son. Ce son, mais quel billet, franchement. Tu sais quoi? Des fois, je me dis, il devrait essayer de l'implanter dans un hyper-scoot. L'hyper-scoot sportif. Le Ford Zarache, tu vois. Oh, tout doux, bijou. Oh, tu l'as vu l'intérêt des assistances, là, ou pas? Oh, j'ai perdu l'arrière. Oh, j'étais pas loin du triple loot, quoi. Moi, je dis qu'il faut pas bouder les assistances en sous-bois, sur une route dégradée, humide, avec des pneus mix plutôt efficaces, hein, au demeurant, les Metzeler. On peut quand même très très vite se retrouver à l'équerre dans un virage. Et autant dans la Pampa, c'est plutôt ce que je rechercherais, et puis surtout c'est ce à quoi je m'attends du coup, autant là, j'avais pas prévu de finir en PLS. Donc merci le Traction Control, et j'étais en mode road, pas en rain. Et puisqu'on parle de mode et de Pampa, j'ai mis les pneus quelques centaines de mètres en off-road pour la forme, mais vraiment pas longtemps. Déjà parce que je sais qu'elle est efficace pour une bécane de ce poids dans la Pampa, d'autant qu'elle a perdu 5 kg. Mais aussi parce que j'étais tout seul et que j'évite de sortir tout seul en off-road, c'est bêtement dangereux. En revanche, j'ai quand même pu me rendre à nouveau compte que pour beaucoup, de ne pas avoir à changer les rapports, ça simplifiera grandement les choses, sauf dans les situations où il est bon de jouer de l'embrayage, bien sûr. Mais disons que pour se balader, c'est vraiment sympa, d'autant que la suspension avale absolument tout. Question prix, on est à 15 599 euros avec la boîte DCT, 14 999 même en ce moment, les 2020 sont en promo là, donc ça vous met la boîte à 400 euros à peu près, et en occasion, ça tourne aux alentours des 12 ou 13 000 euros en fonction du kilométrage. Donc ça mérite d'aller jeter un œil aussi. Ah non, tiens, juste une dernière chose. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'amusant sur des plans. L'écran TFT couleur géant de la moto est éteint. Alors en fait, c'est parce que je l'ai complètement oublié. En fait, il faut valider un truc quand il s'allume. Et franchement, j'y pensais d'autant moins que l'info la plus importante pour moi, elle est répétée dans le petit écran LCD qui est placé juste en dessous, à savoir la vitesse. Bon, alors je vais en parler deux minutes, hein. Il est bien, il est lisible, il est grand, il est magnifique, il est plein de couleurs, il est tactile en plus, il permet de faire plein de choses, se connecter, machin, nan, nan. Mais ça, bon, franchement, tout le monde en a déjà parlé bien mieux que moi, certainement sur d'autres chaînes. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, je dois vous avouer un truc, bah, quand je roule, le plus souvent, ce que je regarde, c'est la route. Allez, salut !